Et yo tout le monde, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cette nouvelle mise à jour 10.30 qui arrive dans Fortnite. Voilà, donc je suis vraiment très hype les potes. Et comme vous pouvez le voir, Moisty Palms est de retour. Voilà le petit, on va dire changement, enfin combinaison entre Paradise Palms et Moisty Meyer. Voilà, Moisty Palms. Donc là comme vous pouvez le voir, actu Moisty Palms, Moisty de retour pour pimenter la fin de l'été. Voilà, et comme vous pouvez voir, vive les tacos, voilà, le petit nouveau, il y a eu les burgers, il y a eu plein de trucs, mais il n'y a plus de tacos, donc voilà, le petit tacos, voilà, ça fait plaisir. Donc tout simplement les potes, c'est parti, je vais vous lire un peu voilà, le patch note, voilà, et vraiment les trucs les plus intéressants qu'il y a à voir. Donc voilà, il y a un nouveau mode temporaire, mais voilà, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, voilà, et Greasy Grove, Moisty Palms, voilà, j'ai pas arrivé à m'y faire, hein, qui sont de retour les potes, mais aussi le pistolet tactique qui est réintroduit dans le jeu tout simplement, et le pistolet mitrailleur à rafale qui est tout simplement supprimé les potes. Voilà, il y a eu quelques petites corrections de bugs aussi dans jouabilité. Je vais vous lire un peu ce que je vois comme article. La balise de faille de Paradise Palm a créé un nouveau point d'intérêt. Voilà, Epic Game préfère utiliser comme mot point d'intérêt. En plus de sa nature marécageuse, cette zone de faille est très pratique pour les joueurs voulant faire profil bas. En gros, je vais pas tout vous lire. Pour ceux, en fait, à chaque fois qu'on rentre dans cette faille, voilà, dans cette zone de faille, tout simplement, je vais vous lancer une game en attendant. En gros, ça va nous transformer en un objet aléatoire. C'est comme par exemple pour ceux qui font du prop hunt en gros, comme ça, ça va nous transformer en objet. Et si on veut plus être en objet, tout simplement on n'aura qu'à tirer, voilà, pour ne plus être en objet. Greasy Grove, une zone de faille, a fait revenir Greasy Grove, mais cette fois Durr Burger a disparu, laissant la place à des tacos. Voilà, on est clair, voilà, ce sera plus des burgers, ce sera des tacos. Voilà, le petit Durr Burger, voilà, qu'on aimait tellement, voilà, ce sera ce petit tacos du coup, guaco, pour le guacamole, je pense, un truc comme ça. Ouais, il est sympathique, hein. Bon après voilà, on préfère quand même je pense le petit burger, voilà, un signe emblématique de Fortnite simplement. De temps en temps les tacos épicés tombent du ciel, ok, leur odeur est si alléchante que les joueurs se trouvent dans cette zone ne peuvent pas s'empêcher de danser. Ah ouais, c'est pas top. Tant qu'ils dansent, les joueurs ne peuvent pas subir de dégâts à part, de la part des autres joueurs, et ils sont guéris à hauteur de 20 PV par seconde, ok, c'est lourd. En revanche, danser ne bloque pas les dégâts de la tempête et ne prend pas les PV si le joueur se trouve dans la tempête. Donc si on est dans la tempête, ok. Les tacos épicés peuvent être consommés, ils confèrent 10 PV transférés sur le bouclier si les PV sont au maximum, ok. Donc par exemple si tu as full vie, ça te met du bouclier, ok, donc c'est plutôt cool ça. Par contre, les tacos épicés ne restent pas très longtemps, mangez-les avant qu'ils ne disparaissent, ok. Choix de la communauté, les joueurs pourront décider quels objets feront leur grand retour dans la boutique d'objets. Ça c'est très lourd ça les potes, c'est très lourd. Le premier vote de la communauté commence cette semaine pour un... Pour savoir plus sur le choix de la communauté consultée notre arme. Waouh, waouh, on pourra choisir les armes qui vont être réintroduites les potes. Comme vous pouvez voir, voilà, Greasy Grove, ça fait plaisir. Où qu'on va, on va se faire deux games les potes, on se fait un à Moisty et un à Greasy les potes. On va commencer à Moisty. On va commencer à Moisty tranquillement. Donc voilà, comme vous pouvez voir, marécage, tout ça, Moisty Palms les potes. Attends, ils ont remis la prison. Ils l'ont remis. Attendez, je me suis peut-être hype trop vite, ça se trouve c'est pas la prison. Mais je crois bien que si les potes. Ça c'est pas la prison. Yes, il y a moyen qu'on se batte là si c'est pas la prison. Ah, en tout cas je suis vraiment très hype. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, il n'y a pas vraiment d'autres choses, voilà, très intéressantes qui nous intéressent le plus. Là maintenant voilà, tout est là les potes, tout est devant nous. La prison qui a été disparue il y a combien de temps les potes? On compte même plus le temps que ça a disparu la prison. El famoso prison les amis. Let's go les potes. Et voilà les Paradise, voilà avec les marécages. Ok, donc on va spawn, on va prendre cette petite aire. Où est la petite aire là? Ok, donc il y en a un qui a spawn là. Oui, une entrée, ok, il n'y a pas d'entrée là. Non, pas comme ça, monsieur. Nice, il n'y avait pas de porte. Attends, BTL, Blaster. Attends, je suis vraiment mort par Blaster. Attends, il est BTL ou pas Blaster? Non, je dis de la merde. Et donc les potes, on va tout simplement aller à... on va se faire quoi? Est-ce qu'on retourne à Moisty? On n'a pas vraiment eu le temps d'aller à Moisty les potes, hein. On va aller à Moisty. Après on ira à prison les potes. Et voilà, tout simplement, voilà, vraiment hype par ces nouvelles mises à jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire les potes si vous êtes autant hype que moi les potes. Parce que vraiment ça fait vraiment super plaisir, voilà, de voir des anciennes villes emblématiques de Fortnite. Simplement les potes. Marécage. Je vais aller dans la ville la plus proche des... Enfin dans le truc le plus proche des marécages les potes. Parce que vraiment je vais y aller. Je vais aller check comment c'est. Par contre, genre, c'est horrible, tu sais pas genre si c'est des ennemis ou pas, quoi. Donc il n'y a vraiment pas d'autres armes là. En vrai c'est fun ce qu'ils ont fait. C'est fun mais voilà, bah, c'est pas e-sport encore hein. Ok, donc pour farm, ouais, ça donne vraiment beaucoup par contre. Donc, comme vous pouvez voir, voilà les anciens marécages, tout ça, bon, de toute façon, je vais pas vraiment faire le tour, voilà, vous voyez à peu près par vous-même, de toute façon les petits potes. Non, là, ça fait vraiment plaisir de revoir ça parce que ça avait disparu il y a vraiment très longtemps. C'est pas vraiment genre les mêmes qu'avant, ça a quand même changé, c'est logique. Mais voilà, c'est quand même bien. Ouais, ça rappelle des souvenirs, voilà, comme pour 99 pour les potes. On est même pas en mode sensu, hein. Et regardez tout ce que ça fait, genre. Let's go! Allez. Bon, en vrai, on a fait le tour. Il n'y a pas grand chose d'autre à voir, hein, les potes. Franchement, et on va aller du coup à Greasy Grove après pour la prochaine game. On va vite. Ok, bah nice, on va aller à Greasy Grove. Bon, c'est un peu bizarre, je vais pas vous avouer. Genre, c'est un peu bizarre. Après, c'est aléatoire. Donc voilà, quand tu vois quand même une lampe dans les marécages comme ça, t'as un petit doute, mais léger. Tu vois, ça reste encore possible, tu vois, on sait jamais, c'est Fortnite. Non, je déconne. Non, en vrai, c'est plutôt cool, c'est pas e-sport ready, malheureusement. Mais voilà, c'est quand même cool ce qu'ils font, ils font plein de mises à jour. Et à cause d'un problème, nous avons temporairement désactivé le véhicule suivant. Brut! On a gagné, les potes. Let's go, la brute. Ok, danse du tacos, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ah, ils ont recyclé plus de tacos. Bon, on n'a pas le temps de voir. Bon, voilà, par rapport à tacos, voilà, le Greasy Grove version tacos. Bon, voilà, on va aller voir tout simplement. On va aller à Greasy. On va sur un petit Greasy, voyons les potes. Ok, donc les potes, let's go, Greasy Grove, comme vous pouvez voir. En plus, là, il y a la petite île, là, ici. Ça va être vraiment nain, par contre. Ça va être vraiment nain. Et ce qui est drôle, c'est que ça fait vraiment un rond. C'est vraiment le rond de la zone, quoi. C'est vraiment drôle. Par contre, genre, je sais pas, ils vont faire combien de zones. Mais au bout d'un moment, il n'y aura que ça. Et genre. Bon, en termes de fun, ok, c'est cool, mais en termes de e-sport, genre c'est pas top quoi. C'est quand ils vont mettre vraiment genre les vraies villes, tu vois. Sur Greasy, vous mettez Greasy normal, vous mettez pas une pute tacos avec. C'est bon. Genre T-Ted, vous mettez voilà normal, Moisty Mire, enfin tu vois, Moisty Palms, c'est vraiment cool, je trouve ce qu'ils ont fait. Sauf que voilà, genre tu peux te transformer en objet, genre c'est nain par contre. Oh le petit Lamads. On peut pas le ping, je crois. Ah, ça fait plaisir, ça avait manqué tacos comme vous pouvez voir. Ah, ça avait manqué. Attends, mais elle a changé la ville. C'est pas la même ville là par contre, elle a changé de fou. T'as une nouvelle maison orange les potes. C'est une nouvelle maison. Bon du coup je connais pas les drops les spawn down. Je danse pendant combien de temps? Ouais mais oui c'est n'importe. Non, putain, il avait une PM. Attends, mais par contre, genre, je danse combien pendant... C'est horrible, par contre... Oh, il avait 8 HP. Genre, on est censé danser pendant combien de temps? Genre, c'est cool. Bah, déjà, la ville a changé. C'est plus les mêmes maisons, elles sont plus au même endroit, tout simplement. Mais voilà, ça reste quand même cool. Voilà, des nouvelles villes qui sont arrivées. Donc, simplement, les potes, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fera vraiment super plaisir. Voilà, donc... C'est tout, je vous laisse les potes, c'était les gringos. Et je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, voilà encore, voilà, mettre la petite cloche, c'est vraiment le plus important les potes pour me soutenir. Ça fera vraiment super plaisir, on se retrouve très prochainement pour un nouveau live, une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous. Et ciao ciao tout le monde!